L'ouverture officielle de l'exercice au Bangabé Express 2022 a été faite vendredi 11 mars en début d'après-midi dans l'amphithéâtre de la base aérienne 02 sur 20 sous le patronage du contre-amiral René Ganongo, chef d'état-major de la Marine nationale. Je suis tout particulièrement heureux de vous souhaiter, au nom de tout le personnel de notre circonscription opérationnelle et à mon nom propre, la bienvenue la plus chaleureuse à tous les participants à l'occasion de l'ouverture officielle de l'exercice multinational au Bangabé Express de 2022. Puis, il s'est ensuivi les mots de circonstance du préfet du département de Pointe-Noire, Alexandre Noré Paca, et du chef de mission adjoint par intérim de l'ambassade des États-Unis au Congo-Brazzaville, Christopher Schrem. Enfin, le mot d'ouverture a été prononcé par le contre-amiral René Ganongo en sa qualité de directeur national de l'exercice au Bangabé Express 2022. Aujourd'hui, ce rendez-vous nous donne, une fois de plus, l'occasion de réitérer nos sincères remerciements aux autorités préfectorales de Pointe-Noire et du Quilou et au commandant de la zone militaire de défense numéro 1 pour l'accueil ainsi que toutes les décisions prises pour le bon déroulement de cette activité à caractère international et national. J'ai cité l'exercice au Bangabé Express 2022. Pour maintenir le cap de l'espoir et de l'émergence de l'économie bleue, je déclare ouverte les attitudes dynamiques liées à l'exercice au Bangabé Express 2022 et je vous remercie pour votre aimable attention. Au terme de cette cérémonie d'ouverture, une conférence de presse a permis au contre-amiral, au préfet du département de Pointe-Noire et au commandant de la zone militaire de défense numéro 1 d'apporter des éléments de réponse aux questions des journalistes. Pour votre gouverne, cet exercice au Bangabé Express 2022, qui a la particularité de recevoir pour la première fois la délégation namibienne, a aussi reçu les traditionnelles délégations américaines, angolaises et congolaises démocrates.